C'est à Vézelise, petit village de Meurthe-et-Moselle, que l'on a retrouvé la trace de Perséphone, la nouvelle sculpture de bronze qui sera bientôt installée au rond-point de Clouange. Une sculpture imaginée et conçue par Dany Mélinger dans son atelier messin il y a quelques mois. La structure en polystyrène terminée, c'est à la fonderie Huguenin à Vézelise que l'étape suivante s'est donc réalisée. Pièce par pièce, membre par membre, la tête, puis un bras, puis l'autre, et ainsi de suite, les moules se remplissent un par un de bronze à plus de 1000 degrés. Quelques instants plus tard, c'est l'étape du démoulage, le moment fatidique, le moment où le fondeur juge le résultat. Il ne restera plus que la partie de nettoyage pour obtenir l'aspect final de la sculpture, une finition ciselure et patine à froid d'une couleur bleue et vert antique. Ensuite, ce sera l'assemblage de toutes les parties et enfin l'installation sur place à Romba d'ici quelques semaines.